Nintendo. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici DL. Et aujourd'hui les amis, on va jouer à Secret of Mana. On va y jouer, on va même faire plus qu'y jouer, on va le découvrir. Moi en tout cas, je vais le découvrir parce que oui, honte à moi, huez-moi, jetez-moi des tomates par email. Je n'y ai jamais joué, donc je vais découvrir ce RPG mythique de la Super Nintendo. Super Nintendo, une console qui, grâce à papa, maman, que je n'ai jamais eu entre les mains, tout simplement. Et donc je vais rattraper mon retard aujourd'hui avec vous, sur une ROM, comme vous pouvez le voir, traduite en français. Parce que voilà, grâce à internet, on peut, alors hein, pourquoi pas hein. Donc le petit Laïus que j'ai déjà vu en préparant ce stream, parce que oui, malgré l'apparence, les apparences, c'est un tout petit peu préparé. On fait juste, on parle d'une épée, et je vais me taire, parce qu'il y a une belle musique. Il y a des flammes rouges et tout. Donc bref, voilà. Ça parle juste d'une épée, machin. On va faire donc un nouveau jeu. Sur ce fond assez moche. Enfin, c'est une forêt, hein, mais bon. Une forêt vide dessus, c'est pas très joli. Alors, comme je suis DL, eh bien, je vais m'appeler DL. Merde. Je réussis même... Ah, ok. Pff. Le mec, il arrive même pas à rentrer son nom. Donc oui, c'est le stream du skill, évidemment. Non, pas du tout. Je risque de rester bloqué. Alors, grâce à la force mana, une civilisation devint puissante. Autrefois, mana fut utilisée pour créer l'arme ultime. Le fort mana. Une petite cinématique, musique de peur. Cet acte irrita les dieux. Donc, à part le dieu, tout ça. Ils dépêchèrent leurs démons pour détruire le fort. Putain, carrément. Ils rigolent zéro, les dieux, quoi. Une guerre terrible secoua le monde et mana sembla disparaître. C'est quoi? C'est genre une énergie? C'est quelqu'un? Mystère, très mystère. Avant que tout ne fût perdu, un héros avec l'épée mana fracassa le fort. Ce fut l'éradication de la civilisation, mais la paix revint sur le monde. Oui, mais en même temps, s'il n'y a plus personne, forcément, c'est plus calme. L'histoire se répète inlassablement. Wow! Le mode 7, la grande classe. La grande classe. Je ne me moque pas, j'ai beaucoup de respect pour ces jeux. Et pour cette technologie. Ok, ouais, c'était vraiment pour montrer. Et regardez les mecs, on fait du mode 7, quoi. Quelle belle musique. Hé, les copains, attendez-moi. Ok, le mec. Si on vient de nous trouver ici, on est très mal. Donc vous avez peut-être remarqué, si vous connaissez le jeu originel, j'utilise des petits filtres. Enfin, là, j'ai juste un filtre HQ Filter. Grâce à la joie de l'émulation, juste pour que ce soit un petit peu moins pixelisé, je trouve que ça dénature pas le travail de base, et le petit côté pixel art. C'est vrai, on n'a pas le droit, un fantôme hante ces lieux. Surtout qu'ils sont un petit peu sur une bûche en haut, quoi. S'ils tombent, ils vont se faire mal. Les gens disent cela pour nous faire peur, donc on a Thomas et Elliot. Elliot, le gros, Thomas, il a un chapeau pointu. Grand bien lui en face. Cependant, mamie parle toujours d'un objet brillant près des chutes. C'est sûrement un trésor, il faut qu'on mette la main dessus. Et moi je tombe, pendant ce temps-là je tombe. Oh là là, oh putain. Alors les mecs tranquilles quoi, ils me regardent tomber. Salut, t'as plus. Sympa quoi. Sympa. Sympa les copains. Pas trop mal au dos, non. Ça va. Aïe aïe aïe, pas moyen de remonter. Que vais-je faire? Ah c'est sûr que là, remonter à la nage. Ça va être un peu compliqué. C'est très coloré, c'est super sympa. Attends, parce que... Putain, ouais. J'utilise... Ah non, c'est parce que je suis à contre. C'est le courant qui fait ça. Là, je peux sortir. Je vais remonter... À contre-courant. Contra-coriente. Ah d'accord, je peux pas marcher sur les fleurs. Ok, je suis bloqué par les fleurs. Peut-être qu'il a un cousin botaniste et que du coup il n'aime pas marcher sur les fleurs, qui sait. Bon bah du coup on va aller en bas. On va sortir par là. Donc là je ne peux pas y passer évidemment puisqu'il a des fleurs. Et oui. Oh putain, écran. Wow. Vision, révélation. Oh bah, comme par hasard, une épée qui brille. N'allez pas me dire que c'est l'épée mana. Ça serait fort de café.
place. Le village est par là. Il faudra un objet pour me tailler un chemin. Ah bébé, oui. Oui, le village est par là. Il faudra un objet pour me tailler un chemin. Oui, bah il est là. Du coup, la question. Comment rejoindre l'épée mana? Enfin, l'épée mana. Je suppute que c'est l'épée mana. Encore. Ah ouais, c'est l'épée qui me parle. Enfin, bah... Ah d'accord. Alors non, je ne suis pas déjà bloqué. Ce n'est qu'une illusion, mais... Le son saute un peu, hein. Je suis désolé, c'est l'émulation qui est un peu dégueulasse en fait. Ou alors c'est peut-être parce que j'enregistre tout simplement, mais ça allait très mieux, ça allait beaucoup mieux quand j'ai fait un petit test tout seul. Mais là par contre, je suis un petit peu embêté. Genre, je suis déjà bloqué quoi. Je peux pas. Qu'est-ce que c'était ce bruit? Mais genre, je peux avancer. Ah, bah oui, bah. Merci. Ouh! Première difficulté surmontée. Ah ben voilà autre chose. Voilà. Ah si voilà. Enlève l'épée. Je suis vraiment désolé. Je pense que je vais accélérer un petit peu parce que c'était très ridicule. Qui es-tu? Le mec parle une épée. Ah non, il parle une voix. Et d'abord, pourquoi cette épée TC? Ohis. Le mec. Il n'a que ça à se dire. Ohis. Il vient de passer 3 heures à galérer pour... comprendre qu'il pouvait encore avancer après sa réflexion intérieure. Et là, voilà quoi. Ohis. C'est moi qui te parle. L'épée. Comment? Tu veux dire cette épée? Effet pyrotechnique. En une seconde, la lumière disparaît. Et la musique revient. Elle est vachement sympa cette petite musique, j'aime beaucoup. Je dois repartir! Se dit-il précipitamment. Et du coup, j'ai une épée. Trop la soukla. Comment je tape avec l'épée? Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai genre un jeu d'énergie. Je peux pas taper. Ah, je pense que là, mes coups, quand je suis à 0%, ils me font pas mal. Enfin, de toute façon, je tape dans le vide, donc forcément, ça fait pas mal, mais. Vous m'avez compris! Je vous ai compris! Par contre, pour l'herbe, ça marche quand même. Oh non, encore un jour où faut passer son temps à couper de l'herbe. Je peux ouvrir une voie? Oui, bah tu viens de le faire. Allons au village! Est-ce que notre village va se faire détruire? Grosse question, dans un incendie, attaqué par des bandits ou des brigands. C'est trop! Que fait un lapin dans cet endroit? Un lapin jaune avec des oreilles rouges. Moi, je défonce. Le mec, aucun scrupule. Il voit un lapin, il le tape. Quel connard. Enfin, c'est moi qui le tape après, mais... c'est vraiment méchant, moi j'aime bien les lapins. C'est bon à manger en plus. Là. En plus, le cadavre est disparu, du coup on peut même pas le cuisiner. Ouais, d'accord, donc c'est ça. Là, je tape, je lui fais 14 de dégâts. Et là, ouais, je lui fais que 1 parce que la jauge de pourcentage est vide. Du coup, ça fait action RPG un peu à la Zelda, en même temps, si tu spams comme un gros gogol... Tu vas pas non plus t'en sortir. C'est sympa, c'est intéressant. Une musique assez sympatoche. Oh lapin! Lapin rose! Ok, j'ai fait un coup trop stylé, je pensais que ça allait être un coup critique ou quoi, en fait moi j'ai fait 0. Ah bah oui, quand il saute, je peux pas le taper puisqu'il esquive. Pourquoi j'ai fait que 2? Aou! Il m'a tapé! C'est très intense, je me tape contre des... Je me tape des lapins roses. Enfin jaunes, avec des oreilles roses. Ok, je le tape mais il prend les coups après. Ouais, ça vaut quand même le coup d'attendre un petit peu, de mettre un gros coup à 18. Et du coup j'ai perdu de la vie, ça m'embête ça, j'ai perdu 4 PV. Je me suis fait attaquer, je me suis pris un coup d'oreille ou je sais pas. Attaqué par un lapin jaune.
En gros, tu t'arrives qu'un petit peu, le temps d'avoir ton coup d'un, bam! Le man parle comme un gros geek. Oh! Un coffre! Putain, le mec, il offre le coffre comme un gros bourrin. Bonbon. Inventaire. Bâtarde. Bâtarde, sérieux? Mon épée, elle s'appelle Bâtarde. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pour assainir la touche. Et le... mon bonbon. C'est pas... Bon. Bon. Il s'en passe. Il ne sait pas. Ah ouais, mais c'est vraiment... En un coup, tout mon pourcentage se barre. 18. Raté. 2. Explosion. Dans des effluves de sang de lapin jaune, il se fraye un chemin à travers les forêts. Avec son ruban et son épée bâtarde. Assailli par moult lapins jaunes qui tournent sur eux-mêmes en sautant. Mon dieu, c'est terrible, ce sont des lapins hélicoptères. What? Mais il a une grosse bouche en plus. Il veut me manger. Ce sont des lapins ogres hélicoptères. Un coffre, encore un. Deux. Et là, je l'ai attaqué avec tout et pourtant, j'ai fait que 2 points de dégâts. Oh là là. Ça, c'est suffisant. Allez. Il secoue le coffre comme un gros malpropre. Un bonbon encore. Et bah écoute, c'est bien gentil, mais. J'ai pas trouvé comment m'en servir encore. Aïe! Bim! Bim! Wouh! Ah, mon niveau supérieur! Mon épée a atteint le niveau 1. Ah là là, je suis bien là. Là, je suis un peu trop fort. Je suis un petit peu trop fort. Ah, mais. Elle a atteint le niveau 1, c'est-à-dire qu'avant elle était même elle était niveau 0 quoi. Elle était au fond. Ah bah ça va plus vite. Ça fait 2 de dégâts maintenant quand j'ai plus de trucs. Pourquoi 2 Ah elle se protège quand il se cache les yeux. C'est bien connu. Quand les lapins jaunes se cachent les yeux, ils ont beaucoup moins mal quand ils se prennent des coups d'épée. Bon à savoir si vous chassez le lapin jaune à l'épée, attendez qu'il ne se cache plus les yeux. Sinon, ça. Ils n'ont plus trop mal. Forêt interdite, c'est bien que je viens. Je suis un grand fou, je brave les interdits des panneaux. Des panals, comme dirait. Vous savez qui, si vous le connaissez. Si vous le connaissez pas, vous ne saurez pas de toute façon. C'était super intéressant ce que je viens de dire. En même temps, là, pour l'instant, je me familiarise avec les contrôles en tuant des lapins jaunes dans une forêt. Très coloré, ceci. Je sais pas pourquoi des fois mon perso clignote. Ah, c'est quand il recharge son énergie et là, il est à fond. C'est donc ça le tout. Mais là, pourquoi je tape comme un gogol? Ah ouais, si tu tapes à côté, ça te bouffe quand même ton pourcentage. Mais là, il se cachait les yeux, quoi. Je lui fais pas de dégâts. Dès atteint niveau 2. Wouh! Je suis vraiment trop fort. Bring it on! Ah bah du coup j'ai récupéré toute ma vie. C'est cool ça. Bon, je sais toujours pas à quoi ça sert, je sais toujours pas comment les activer. Ouais mais en fait je crois que qu'on soit à 30% ou 99% ça change rien. Faut juste être à 100. Ouais voilà. Ok. C'est pas mal ce petit système de combat, c'est dynamique mais en même temps il faut un petit peu... Il faudra dodge les trucs et tout, c'est... Il y a les potentiels. Alors par contre, si tu le... Bon, j'ai trop de bonbons. Bah, mange-en un, je sais pas. Du coup, ouais, 19 de dégâts max, ok. Je sais pas comment on mange les bonbons. Après, peut-être que j'ai des triglycérides et du coup, je veux pas en manger. C'est mamie? Tu as vu, il est elle? Quelque chose vient d'illuminer le ciel près des chutes. Je suis au courant. Elle a dit j'ai le pressentiment que. C'est tout? Ou c'est moi qui ai passé? Ah oui, que point de suspension. Les musiques sont vachement sympas. Elles sont très entraînantes. Qu'est-ce que c'est ceci? C'est un magasin d'amphores. Tu vas chez l'ancien, presse-toi alors. Acheter. J'ai 42 PO. Je peux acheter des bonbons.
un bandana. Pour faire beau gosse. Cool, petit désir de l'herbe. What? On me propose d'acheter de l'herbe. Mais non. Mais je m'en veux. Je m'en veux. Je m'en vais. Pourquoi? Non. Non, pas d'accord, non. Va-t'en, va-t'en, là. C'est du cycle, ces bonbons, soit de l'extra ou quoi. Vas-y, t'as replus, quoi. Un de ces jours, ouais. Le mec, il me vend de l'herbe. Je suis un gamin et... Il est là, il est dans son... Personne ne lui dit rien, quoi. Tranquille. Alors, l'auberge. Ou les aubergines, je sais pas. Je pense que c'est une auberge. Pour une aubergine, elle a vachement de... De tuiles. Et de fenêtres. C'est un peu bizarre pour les aubergines. Alors ça, je suppose que c'est pour acheter genre des potions, des trucs. Il y a un drôle de type. Son aspect est effrayant. Ah, l'ancien. Ah bah tiens, les deux copains qui m'ont laissé tomber. Tu es sain et sauf, on vient de tout me raconter. Tout, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Elliot, je te croyais mort. Ça a l'air de beaucoup de peiner. Oh le connard. Je t'avais bien dit, c'était stupide de l'amener avec nous. Il va mourir et tout. Trop un boulet quoi. Le mec, je crois qu'on sort et il meurt. Ah, sympa. Sale gosse. On vous avait prévenu. Magnifique imitation de la voix de Fayum. Oui là. Non, là je l'ai pas du tout. Oui là. Oh non, ce n'est pas possible. Génial. Tu as trouvé le trésor. Eh bien, ah oui, c'est vrai, le trésor. Tu n'as quand même pas retiré l'épée mana? C'est impossible. L'épée mana? La légende dit que notre village est perdu si... Quelqu'un retire cette épée. Et c'est... Putain. Ah, carrément. C'est moi qui vais... L'épée protège notre village de tout désastre possible. Ah, con. Tout ça pour aller couper de l'herbe. En plus, enfin, le mec, quoi. C'était juste pour couper de l'herbe. Il pouvait pas l'arracher? Il avait peur de se salir les mains. En plus, je suis un étranger. Toujours les étrangers. Toujours la faute des étrangers. Magnifique. Les messages de ce jeu, quoi. Achète de l'herbe, l'étranger, ça fout la merde. C'est ta faute. C'est ça parce que je suis noir. Parce que je suis bosniaque. Désolé, les noirs bosniaques qui me regardent. Pas forcément les noirs bosniaques en même temps, mais au moins l'un ou l'autre. Ah, un séisme. C'est le début de la fin. Ah non, tous dans l'aubergine. Ah non, putain, on tombe dans un trou. Mode 7. Non. Un monstre, oh putain. Désolé, je jure, je suis vraiment vilain. Homme. Quel homme? Tu m'écoutes, avant d'attaquer, observe les monstres. Wesh, il saute. Putain. Ah oui, direct. Un sécateur de trucs. Mais pourquoi je peux pas me lever? Ok. Et comment j'utilise les bonbons du coup? Ça pourrait me servir à la limite un petit peu. Ah ouais, non, mais là c'est relou. Bon, après j'ai perdu que 1, ça va. Mais peut-être parce que j'étais plus loin. Ouais, mais allez! Mais bouge! Bouge vite! Lève-toi! Et marche! Diamant, niveau 0. Ok, donc ça c'est le sort de glace et Oh là 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 là. Ok, le mec il va mourir au premier boss. C'est pour courir. Ok. Ah ok, donc je peux pas vraiment mourir. Oh, quel quiche. Quel wish, pardon. On dit une wish Lorraine, bien sûr, bien évidemment. Je surkiffe les musiques. J'en avais déjà écouté quelques-unes pour ma curiosité personnelle, parce que j'aime beaucoup les musiques de jeux vidéo. Là non, je sers à poutre. De toute façon là je peux pas mourir parce qu'à chaque fois il y a l'homme qui va me ressusciter comme par magie. Mais juste là. Et là j'ai aucun moyen de dodge. 23 tirés. Il va me re-ressusciter ou je suis définitivement mort? Ouais, non, il va me redire, attends, je vais t'aider. Ok. Et... C'est vraiment casual, hein, on peut pas mourir. 19. Ça, je peux pas éviter ça. Parce que disons, 23 points de dégâts, ça fait quasiment la moitié de mes PV. En plus, après, il chaîne avec son truc où je perds conscience. Ouais, il me... Ouais, c'est quoi. Il me met tout son combo bouffe acide.
Bien joué Vincent pour les traductions, ou Victor, je sais pas. V quelque chose, je me souviens plus du tout. Programmé par Nassir. Nassir, beau travail, merci beaucoup. Vous l'avez vu au début. Putain, et je sais pas si c'est moi qui suis particulièrement mauvais. Si c'est juste qu'on est obligé de mourir. Ah mais oui, j'ai couru. Mais d'où ? La hitbox dépasse le pixel. Putain, le truc c'est que lui, il était chain comme un gros porc. M'envoyer c'est mais j'étais pas dessus là. Oh là là, c'est pire que les hitbox dans LOL quoi. Bouffe facile, allez chain moi tout là. Ah ça y est, mon dieu, je suis bien parti, je suis vraiment très bien parti. Ça promet du gros niveau, du gros niveau. Oh yeah! Bravo! Ouais, enfin, je ne mérite pas trop les félicitations du jury non plus. Sphère de l'épée! Tu as réussi! Ouais, je suis juste mort 4 fois, tu as dû me ressusciter autant. 2 fois. Alors on est remonté, je sais pas comment. Elliot. Ah! Ce mec, il est devant toi, il te regarde, il fait. Ah! Il se tourne et il repart. Seems legit! Cela semble être la vraie épée mana. Pardon? Homme. Ah mais le mec il était au fond depuis tout à l'heure, enfin depuis le depuis on sait pas quand, depuis une période indéfinie, il était au fond du trou. Combien t'en passes? Ah non, ou alors c'est le mec flippant dont parle le gosse depuis tout à l'heure. Et j'ai pas vu dans le village. Bref, on dit qu'en période de trouble, un chevalier haut aura l'épée. C'est con. Parce qu'il disait que quand tu enlevais l'épée, ça causait les troubles. Seulement tu es trop jeune, il a dû arriver quelque chose à l'épée. Que veux-tu dire? Désolé, mais l'épée perd sa puissance qu'il doit être restaurée. Seul celui qui l'a retiré en sera capable. Mais que dois-je faire? Pour voir le sage laissé. Là, sage laissé qui vient au palais de l'eau. Palais de l'eau. Depuis 200 ans, elle protège ce pays. Solide. Écoute ses conseils. D'accord, mais c'est ouf. Le palais de l'eau. L'ancien veut te voir chez lui. En fait, je m'appelle Jean. Waouh! Le mec! J'en perds mon casque. Le mec! Le mec mystérieux et tout, qui t'aide à tuer un monstre mystérieux, il te ressuscite et te dit: au fait, je m'appelle Jean. Wouh! Révélation! Je t'attendrai à l'intérieur du palais. D'accord. Donc c'est par là, en bas, très bien. Mais je veux voir l'ancien. C'est malsain ça aussi. Enfin, je suis trop jeune et je dois aller voir un vieux. Cela ne peut plus durer, ancien. C'est vrai, il n'y a pas d'amélioration. De quoi il parle? Oh DL, cette fois, tu veux m'achever? Si les monstres sont apparus, c'est parce que tu as ôté l'épée. Oui, bon, ça va. Il fallait que je coupe de l'herbe. Dans la vie, il faut faire des choix. Hein? Soit couper de l'herbe. Soit, bon. Beaucoup d'histoires d'herbe dans ce jeu. C'est conclu, nous ne voulons plus que des... Oh putain, les mecs, vénère. C'est parce que je suis étranger, ça. Voilà, exclusion des étrangers. Non mais bravo, bien, bien. Oust, par d'ici, très bien, très bien. Je hais d'avoir à te dire ceci, mais tu dois partir de ce village. En bas, il y a un coffre, prends son contenu. En bas du village, il y a un coffre. Et il attendait juste qu'il y ait un étranger qui part. Qu'on exige du village. Voilà, prends-le. Seems legit. Tu as tout ce qu'il te faut? Oui. Le conseil a décidé que tu étais banni de Potos. Maintenant, va-t'en! Putain. Mais quelle bande de crevards, quoi. Mec, il fout un gamin dehors. C'est parce qu'elle a retiré une épée. Mais il fallait que je coupe de l'herbe, merde! Ne comprendrez-vous donc jamais mon désarroi? Voyage canon! Est-ce que ça serait pas un truc avec un canon qui me propulse? A tout hasard. A tout hasard. Salut, nous avons décidé d'étendre notre réseau. Tu veux au palais de l'eau? Jean est déjà parti, il a payé ton voyage, un sale poids. Merci. Ne te blesse. Bien sûr, dans le canon, ouais.
Voilà. Ok, donc dans le jeu, on se déplace avec des canons. Pourquoi pas? Est-ce qu'on va avoir un joli mode 7? Ça, j'attends. Oui, oui, oui. Wow! Celui-là, il est stylé! Hey, mais il est classe! J'aime beaucoup. J'apprécie l'effort. Ça fait presque 30 minutes qu'on enregistre, on va bientôt finir. J'arrive au palais de l'eau, s'il n'y a pas des entourloupes. Et on va s'arrêter pour ce premier épisode, pardon. Nous venons de Pandore affronter Sorcia, celle de la forêt hantée. Wow, mec, c'est pas du tout mes oignons. Je me casse. Tard plus. Qu'est-ce que c'est ça? Le palais de l'eau. Parce que c'est dans l'eau et il y a un palais. Je suppose que c'est le palais de l'eau. Allons-y, des L. Comment on sauvegarde officiellement dans ce jeu? Je sais pas. Je suis donc au palais de l'eau. Chaque tour des escaliers. On peut parler à la sage. Qui est là depuis 200 ans, la pauvre, elle s'emmerde. Peut-être qu'il faut que j'active celui-là en premier. Ah non, l'autre c'était un bait. C'était une feinte. Hé, toi, où est Lucie? Mec, à tous les coups, c'est elle. Hey, j'aurais pu être scénariste de JRPG des années 90, quoi. Cette fille serait âgée de 200 ans, mais elle est vachement trop bonne, pourtant. Oh! Et donc là, il... D'accord. Les mecs, ils sont restés pantois, les mecs, ils... Mais dis donc, on dirait pas qu'elle a 200 ans. Les mecs sont en stand-by et moi je peux... Bah, salut. Je peux même pas partir. Je suis séquestré. Je suis séquestré par une femme de 200 ans et un homme. Et Jean. Un homme qui s'appelle Jean. Lucie, les monstres envahissent le visage. Le visage. Les monstres envahissent son visage. Regarde, il a de l'acné, c'est horrible. Il vient d'en battre un. Non, c'est dégueulasse, n'importe quoi. Je sais, le courant de l'eau m'apporte les rumeurs du monde entier. Alors là, elle est vraiment perchée. La force m'en affaiblit. C'est pourquoi ce garçon a pu retirer l'épée. Mana perdu son équilibre et les monstres surgirent. Des monstres maléfiques. Alors, est-ce que les lapins jaunes à oreilles et queue rose, ça compte comme des monstres maléfiques? Parce que si oui, on n'a pas la même imagerie des monstres maléfiques, honnêtement. Ça pourrait être à voler la force de l'épée Mana. En anéantissant ces monstres diaboliques, tu peux restaurer l'épée. Les sphères ont la force. J'ai récupéré une sphère tout à l'heure. Face au insécateur Krabi. Elle a été un peu restaurée après. Un petit peu. Après la mort de Mantides. Est-ce que c'est le monstre que j'ai eu tout à l'heure, Mantides, sûrement. Il doit y avoir d'autres sphères renfermant la force nécessaire à l'épée. Trouve quelqu'un qui peut forger l'épée pour en dégager la force et stocker. Il me faut un forgeron. Un nain, peut-être. Je sais pas, soyons dans les clichés. Et c'est tout ce qu'elle a à lire. C'est tout ce qu'elle a à lire. Ah non. Jean surveille l'Empire. Il cherche à s'emparer du fort Mana. Ah, l'Empire, c'est toujours des méchants, l'Empire. Tu veux dire celui qui détruit le monde dans les contes de fées? Ah oui, le fort Mana. Genre, il est toujours là. C'était pas un conte de fées. L'Empire veut faire renaître le fort Mana. Mais il va y avoir les dieux, ils vont être vénères, ils vont le casser. Pourquoi l'Empire, il est méchant? Pourquoi ils veulent briser les sceaux, les graines Mana? Il y a un groupe d'étrangers rôdant dans la région. Putain, et les étrangers? On n'aime pas ça dans Secret of Mana. Quelque chose ne va pas à Pandore. Ce reste dû à l'Empire. À Pandore, ça tombe bien parce que j'ai retiré l'épée, c'était un peu comme ouvrir la boîte de Pandore, et ça s'appelle Pandore. C'est cocasse. Après, je sais pas si c'était Pandora dans la version New Wales. Ce reste dû à l'Empire. Je ne sais pas, Jean. Va voir le roi de Pandore et dis-lui d'être prudent. D'accord, j'y vais. Le mec, soumis quoi. DL, tu vas à la grotte, celle qu'on appelle Gaïa. Gaïa, c'est pas un titan ça, dans la mythologie grecque? Mais avec Itrema. Il me semble qu'on l'a... Si, c'est une collègue un petit peu dans God of War, je crois. Des nains y habitent. Ils sont férus en armée. Est-ce que je vous l'avais dit? Je vous l'avais dit qu'il y allait avoir des nains pour forger l'épée, forcément. Peut-être connaissent-ils quelqu'un qui reforgerait et consoliderait ton épée. Ta capacité augmente en même temps que la force et l'adresse de ton épée. Fort bien,
Eh bien, je dois aller voir les nains. Je me souviens plus trop, c'est... Qu'est-ce qui te fait si peur? Le fort, ça me fait flipper. Autrefois, les anciens utilisaient le fort mana pour leur ultime combat. Malgré cela, ils ne pouvaient pas contrôler mana. Ce fut ton épée qui sauva le monde. Les survivants refirent le monde pour honorer mana. Mec, bon, on va refaire le monde. On va se caler dans le comptoir d'un bar. Et on va refaire le monde autour d'une bonne bière. Elle a utilisé cette dernière fois pour t'appeler. Moi? Pourquoi moi? Juste parce que je suis tombé d'une bûche. Le mec, pas de chance, quoi. D'accord. Que dois-je faire? Tu dois devenir un héros digne de porter l'épée. D'accord. Assez. Porte l'épée jusqu'à la graine. N'y voyons rien de phallique ou de sexuel. J'ai un esprit sain dans un corps sain. Un bref instant. L'épée et la graine s'unirent. Je suis désolé, c'est vraiment très dur de ne rien voir de... Hein? Non, c'est juste une épée qui s'unit avec une graine. Il n'y a absolument rien d'autre. Rien. Vous avez l'esprit mal tordu. Mal tordu, non. Bref, vous m'avez compris. Je vous ai compris. Charles de Gaulle parlait comme Jacques Chirac. Tu as scellé la graine mana avec ton épée mana. Oh oui, j'essaie... Je suis désolé, non, mais j'ai scellé la graine avec ma grosse épée, merci quoi, mais... Désormais, seul ton épée et toi recevrez la force mana de la graine. Où que tu sois, tu pourras recevoir... Je suis désolé, c'est vraiment immature, hein. Je suis vraiment un gros gamin, mais... Tu pourras recevoir le pouvoir de la graine mana. Le monde a 8 palais. Ah. Énorme blague. Visite-les tous, et les tous reçoivent leur pouvoir. Toujours à coup de 8 trucs à récupérer dans les Zelda, les trucs comme ça. Prends cette lance. Les gardiens de mana l'utilisaient autrefois. Reçu la lance. Tout comme l'épée, elle grandira en puissance. Donc il y a différentes armes et tout. Je te restaure. Cool. Je vais prendre un menu steak frites. Énorme blague. Palais haut. Comptoir 1, sauvegarde un fichier. Tchou. Comme le dit Jean, va d'abord à Gaïa, cherche le palais souterrain. Va au sud en traversant le royaume de Pandore. Très bien. Eh bien, très bien les amis, ainsi s'achève, je pense, ça fait combien de temps que j'enregistre? Oui, une bonne trentaine de minutes. Ainsi s'achève notre premier épisode de Let's Discover Secret of Mana. Je dis ça, mais ça se trouve, ça s'appellera pas du tout comme ça. J'ai improvisé, je sais pas du tout comment ça s'appellera. En tout cas, il y aura du Secret of Mana dans le titre. C'est fou. En même temps, si vous regardez la vidéo, vous avez le titre. Donc bref, on s'en fout, cesse de blabla. Trêve de Gulliverne, comme on dit. Et merci à vous si vous m'avez regardé jusqu'au bout. Merci à vous encore plus si vous mettez un pouce vert ou des petits commentaires gentils. Merci à vous un petit peu moins si vous mettez des commentaires méchants. S'ils sont méchants gratuitement, pas merci. S'ils sont méchants pour dire comment m'améliorer, c'est gentil. Bref, des bisous à tous, chers The Big Love, tout ça. Et premières impressions. Pas mal de clichés. Pour être honnête, mais la musique et visuellement c'est sympa et les musiques sont cool. Donc voilà, des bisous et à bientôt pour la suite de Secret of Mana. Merde, où c'est qu'on coupe? Genre c'est pas fait exprès, bien sûr que si, c'est fait exprès, tout est calculé.